Elika était une enfant soldat. Cette petite fille de 10 ans qui vivait dans une famille, un village sans histoire, a vu sa vie basculer en quelques secondes. Elle a perdu sa maison, sa famille, ses amis, son enfance. Elle disait qu'elle devait écrire pour s'assurer qu'elle n'oubliait rien. Parce que les mots de la bouche ne peuvent pas tout raconter. Ils sont trop près de la haine et de la vengeance. Arrête. Tu m'as fait peur. Quand les mamans font ça! Arrêtez de nous mettre de la base sur le visage, enfin! C'est dégoûtant! Ce n'est pas le programme. 10 événements pour résumer un siècle. Et tu crois qu'on va trouver 10 événements qui vont mettre tout le monde d'accord? Alors, je te rassure tout de suite. Non. En fait, j'ai une double casquette puisque je suis effectivement impliqué dans une affaire de détournement de fonds au sein de la société. Et en plus, je suis fou amoureux de cette patronne qui, bien sûr, se fiche éperdument de moi. J'ai dit quoi, là? Je cherche le bureau de l'intendante. Madame Beuglard. Bon, ben, c'est comme ça. Bâtiment C. Merci jeune Jean. Sympathique ces jeunes. Il n'y a rien de pire que d'être une femme évoluée. Plus. Une femme évoluée sans rien à faire. Hein? Merci beaucoup, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et oui, c'est Jean-Luc Reichreich, c'est Jean-Luc Man-Man, c'est Jean-Luc Reichman. C'est la première fois que je vais coucher avec quelqu'un d'autre. Nous serons donc à égalité. On va faire ça dans votre bureau. Je pense que nous n'avons pas vraiment le choix. Sur un lit, dans votre bureau. Sur un lit, dans mon bureau. Sans lumière. Sans lumière. Sans lumière, dans votre bureau. Sans lumière, dans mon bureau, c'est bien. Vite fait, bien fait. Je ferai de mon mieux.